Ah oui, quand même. On dit bonjour aux abonnés? D'accord. Aria, tu viens dire bonjour aux abonnés? Un jour elle changera, elle changera. Tu enlèves ce Lego de ta bouche, mon petit chat. Voilà. Tu me le donnes? On le met sur la plaque? Comment tu mets sur la plaque? Tu me montres? Ouais. Donc tout à l'heure, elle nous a fait un super truc. Elle a enlevé toute la plaque, mais elle a gardé quand même cette petite partie. Bon, sinon, moi je me suis levé avec les petites à vers 9h, 9h15. J'ai continué l'électricité. C'est un peu laborieux, mais je m'en sors. Ouais. Et voilà, j'ai sorti de la vaisselle. Laborieux, là. Oui, c'est bah oui. Tu m'aides? Il t'a rien fait le bout de Lego. Oh! C'est laborieux! Tu dis ça pour maman qui se lève à 3h de l'après-midi? Non! Mais là, c'est le robot! Oui, mais les mamans ne se lèvent pas à 3h de l'après-midi. Bonjour! Bisous, ouais. Bisous maman. Tu fais bisous? Aria, tu fais bisous sans la sucette. Fais bisous à maman. Ça va? Elle fait bisous maintenant. Ouais, j'ai vu, elle fait des vrais bisous. Aria. Oh, pas besoin. Caca boudin. Ah bah ça faisait longtemps, tu sais. Ça t'avait manqué? Ça voulait caca boudin. Donc Tabi, arrête avec les caca boudins, s'il te plaît, c'est pas propre. Ouais, je vais prendre les cacaboudins. Elle sait pas, mais c'est le bazar là, juste de l'autre côté. Parce qu'avec la verrière, c'est bien, on voit rien. On voit une catastrophe de l'autre côté. Bah, je vois juste ma prise. Ouais, en train de pendouiller. Et là, on te dit que c'est pas fini. J'ai passé une nuit fabuleuse. L'alarme incendie s'est déclenchée. Si! Alarme incendie s'est déclenchée à 3h30 du matin. Dans le boulot? Alors, on pense qu'il y a quelqu'un qui faisait à manger. Alors, en fait, je vous explique. Au boulot, j'ai les bureaux en dessous. Et au-dessus, il y a des habitations. Il y a des appartements. Donc, il y a des appartements où il y a des patients à nous, on y va. Et il y a d'autres appartements où, voilà, c'est juste comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait à manger à 3h30 du matin. Il n'a pas dû mettre la ventilo ou un truc dans le genre, ou ouvrir les fenêtres ou quoi, comme ils font habituellement. Et l'alarme s'est déclenchée 3h30. Donc panique. Alors heureusement je suis pas toute seule, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un gars de sécurité incendie. Donc il savait quoi faire, donc ça c'est cool. Mais bah faut passer chez tout le monde pour dire c'est rien, vous inquiétez pas, c'est rien, pas besoin de descendre et tout. Mais en fait je réfléchissais et je me disais mais comment ça se passe si ça arrive vraiment? Parce qu'il y en a qui ils peuvent descendre tout seul, il y a pas de problème. Mais on en a, je dirais 5-6 en fauteuil. Donc ça veut dire qu'il faut monter dans les appartements, les mettre sur les fauteuils à deux. Il y a encore à deux, moi toute seule quoi, parce que le mec de l'incendie, sécurité incendie, enfin bref, ça, je vous jure, ça a sonné à 3h30. J'étais dans le bureau en train de bouquiner et tout. Je me suis dit, mais en fait, si ça se passe vraiment, comment ça se passe? Compliqué. Enfin, et c'est pour ça que je me lève tout juste là, j'ai la tête dans le cul, mais il fallait que je me pose vraiment. Il est 11h30, voilà, et Doudou a tout... Je me suis demandé si on faisait le poulet mariné, moi. On va faire le poulet, mais pas mariné, parce qu'il n'a pas eu le temps de mariner. Je vais te demander hier soir, mais... Ouais, mais bon, hier soir, t'étais dans l'électricité, mon chat, donc j'avais pas te demander de faire mariner le poulet. Hein? C'est canon, hein. Je suis arrivée ce matin, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai allumé. C'est trop beau, c'est trop trop beau. Je vais tirer un petit peu sur les fils pour qu'ils se mettent bien droit, mais c'est trop canon, j'adore. En train de faire le repas de midi, alors on avait dit poulet, mais non, je fais rougail saucisse. C'était un menu qui était prévu dans la semaine. C'était le soir où... Non, c'était jeudi midi, mais j'étais toute seule, donc j'avais pas faire toute seule le rougail saucisse. Donc j'ai fait cuire ma saucisse fumée
découper. Alors, c'est ma recette. Non, parce qu'à chaque fois que je propose une recette, ah mais non, mais faut pas faire comme ça. Mais je vous montre ma recette. Voilà. Il y a plein de recettes et elles sont. Tu peux les faire différemment. Donc voilà. Donc là, j'ai découpé la saucisse en petits tronçons de 2-3 cm à peu près, que j'ai fait cuire dans l'eau. J'ai gardé mon eau pour faire cuire mon riz, pour qu'il y ait le petit goût fumé au riz. Et là, dans le thermomix, j'étais en train de mixer de l'ail, de l'oignon avec du curcuma, du gingembre, du thym aussi. Bon, c'est une recette Cucomix, hein, donc je n'invente rien du tout. Mais ça va être très, 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 très bon. Là, je vais ajouter des tomates pelées, je vais ajouter les saucisses et ça va cuire pendant 25 minutes. Donc, je vais faire tout ça. Et le riz sera cuit et on pourra manger. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, ce petit chat? Pose, mon cœur. Elle est en train de jouer avec les trucs de... Allez, remets dans le sachet. Voilà mon petit rougail saucisse qui est en train de mettre de la buée de partout. Et mon petit riz. Voilà, tout est prêt. On va pouvoir passer à table et on va se régaler. Ça sent trop trop bon. Et Doudou, il a terminé. Bon, par contre... mais il a fait la prise. La prise est là. Et puis voilà. C'est un peu moche en bas. Bah, il y a la vaisselle. C'est pas moche. Non, mais ça aurait pu être mieux, mais bon. Bon, ça va, je trouve. Oui. Bah, oui. J'aurais su tout avant, j'aurais pas fait de cette façon-là. Parce qu'on a branché déjà, on a mis la prise de la vaisselle. Oui, on a mis la prise de la vaisselle et on a fait ça après. Donc, il y a une dérivation au milieu, mais c'est pas grave. Mais ça fait bien, c'est très bien. Ça marche tout aussi. Bon, et cet après-midi, il s'occupe de ça. Donc, c'est isolé. Ouais. Oh, c'est beau, ces lumières, c'est beau. Tu fais avec tes cheveux? L'Oréal, parce que je le vaux bien. Qui tu veux? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aria? Oh oh. Philippe, je veux plus de mon cartable. Hein? Je vais le mettre dans ton cartable? Non. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Vous allez avoir mal à la tête. Non. Il y en a deux qui vont dormir cet après-midi. Est-ce que c'était bon? Non. Oui. Ah. Aria, c'était bon? Aria? Aria? Tu dis coucou? Non. 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 Oh oh. Et t'as pas ta sœur. Doucement. Et on lève les bras. On se cache les yeux. Mais les yeux. Attends, te balance pas, Aria. Tu bouges tes oreilles. Et... Super. Bah, cool. Papa. 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 Alors, après moult péripéties, Doudou a installé la paroi là, sur le côté du lave-vaisselle. Alors, il y a encore un petit jour, mais c'est pas tout. On n'a pas tout calé encore, puisque en fait, on attend le fond du meuble pour pouvoir tout caler correctement et tout pouvoir fixer. Voilà. Donc, bah, de toute façon, là, c'est stable, hein, ça bouge pas. Au niveau de l'électricité, donc ça y est, il a mis la prise, il a réussi à mettre le bloc et il a pu mettre la prise. Donc il aura juste à mettre le cache. Et ça, bah, il va juste mettre le bloc aussi. Donc ça avance bien. Et sinon, bah, je vous dis, hein, tout à l'heure, il a fini l'électricité derrière le lave-vaisselle. Donc ça, tout est bon. Voilà, et les filles se lèvent de la sieste. Ça va mon petit chat ? Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait des découpes de coton pour remettre un petit peu de stock au niveau des lots de coton lavable. Donc là, j'en ai fait pas mal. Donc, une bonne chose de faite. Là, je vais passer à la machine à coudre maintenant. Et je suis toujours avec mon téléphone et Grey's Anatomy. Vous êtes tout le temps à me demander
Où je regarde les Grey's Anatomy, j'ai Amazon Prime. Donc comme j'ai le Prime Amazon, la livraison le lendemain gratuite, j'ai le droit à Amazon Prime. Et donc tous les Grey's Anatomy sont sur Amazon Prime. Voilà, donc ça vaut grave le coup. Là, je suis à la saison 12, je crois. Je me suis refait toute la saison, hein, clairement. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti pour ce gros tas de coton à coudre. Comme ça, ce soir au boulot, je pourrais les retourner et les fermer. Que je m'avance un petit peu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu dis, toi, petit chat ? Allez, mon petit chat ! Ah, ça grimpe, là ! Ça va, pépère ? Bon, ouais. Tu manges ? Ah bah si, ouais. Oh. Là, là. Mais il va le voir, il va le voir. J'ai fait le repas pour ce soir. Ce soir, j'ai fait un cake au saumon. Il est actuellement au four, en train de cuire. Et là, je vais faire réchauffer la soupe que j'avais fait hier. On va la faire cuire, je vais la réchauffer tout doucement. Voilà, comme ça, on mangera ça ce soir. Ça sera très très bien. Avec ça, il reste du riz de midi. Moi, je ne sais pas si vous faites pareil, mais j'aime bien mettre du riz dans mes soupes. Voilà, ça donne un petit peu plus de... Donc je pense qu'on va faire ça ce soir. C'est trop canon. Mais non, j'arrête pas de dire à Doudou, c'est trop canon, c'est trop canon. Voilà, on va baisser, je vais mettre sur 2. Comme ça, ça va cuire vraiment tout doucement. Là, on va se faire une petite partie de switch parce que... quelle heure il est ? Il est 18h05, donc on a largement le temps. Il y aura juste à mettre la table et tout, donc très très bien. Très bien, on est allé se promener comme vous l'avez vu, pas très loin de la maison, on a les chevaux, on a des champs et tout, donc c'est trop cool. Et voilà, ça nous a fait du bien, on a pris l'air un petit peu parce que c'est ce que je disais à Doudou, on n'est pas du tout sorti du week-end. Bon, moi je sors parce que je vais au boulot, mais Doudou il n'était pas sorti et les filles non plus, donc ça leur a fait du bien de sortir, d'aller voir les chevaux et tout. C'est beau. Enfin bref, bon allez, une partie de switch et après on mange. Qui dit my god. Qu'est-ce que vous faites les cochonous? Elles sont un petit peu excitées. Doucement, lâche-la ta soeur. Ah ça y est, elle nage Kali. Elle nage sur le carrelage. Aria, le placard c'est non. Non, papa, il dit la même chose. Non, c'est pareil. Dis donc. Bon, allez, je vais mettre mes chaussures, je vais partir, moi. Let's go au boulot. Badaboum. Je vais partir avec toi, hein, tu m'attends? Hé, fais pas une pirouette sur le carrelage, hein. À partir en carrière, elle arrive. Vite, 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 vite. Aria, t'as perdu quelque chose? Non. Non. Bon, allez, dernière nuit, croyez-moi, c'est la plus dure. Quatrième nuit sur 4. Tiens, hein? Toi, t'as fini. Je suis trop fière de toi. Si. Ça ne fait que commencer. Non, mais non, t'as fait. Là, franchement, il en a chié. Il en a vraiment chié. Là, alors, c'est pas les éclairages, c'était les prises le plus compliqué, je pense. Hein. Ah ouais. Parce que les éclairages, ça allait tout debout. Hein. Et ça va pas, non? Kali, je suis pas d'accord que tu fais comme ça. Bon, allez, je suis partie, je mets mes baskets. Je prends mon sac. Kali, remonte ton pantalon, s'il te plaît. Oulala. Ouais, oulala, oui. Ça va bien se passer. Hein? Ça va aller, mon chat? Doudou, il en peut plus non plus. Oh, ça va. Est-ce que je peux l'enlever, mon t-shirt? Bah, tu vas l'enlever en haut parce que tu vas aller au bain. Eh oui. Allez, au bain. Désolée, je vous ai mis la tête dans le frigo. Donc hop, on est parti. J'espère que vous avez passé un bon dimanche avec nous. Bon, je vous avoue que...
Je vous avoue que c'était... j'ai pas beaucoup filmé, mais bon. Hein. Je vous dis à demain. Demain, c'est lundi. Demain, il y a Nounou et école. Ça va... Mais ça va pas, non. Allez. À demain. Cornichon. Que tu fais? Allez vous cacher. Allez vous cacher. Allez, à demain. Doudou, il est en train de dépiter. Doudou? Oui. Ça va? Ouais, nickel. Et les cornichons là? Oh! Et à demain? Doudou!